Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là on est parti avec Polo. Donc on va sur un petit parcours no kill black bass. Donc je pense qu'on va trouver des petites perches, du brochet potentiellement et du black bass bien sûr. Donc là moi pour commencer j'ai pris un petit chatterbait et sur ma petite canne, là ma Gorbolino en 0.58. J'ai mis une petite croix en texan, donc je vais voir ce que ça va donner. Et toi Polo, tu vas commencer avec quoi? Je commence pareil avec un petit chatterbait. Voilà, bon, nickel. Bon bah, on vous tient au courant si on fait du poisson. Allez, à toutes les gars. Oh, j'ai pris une énorme touche. Ah, oh, j'ai encore. Ouais. Ah oh, non, j'ai plus. J'avais un poisson là, Paul. L'endroit est ouf. Vraiment, l'endroit est ouf. Polo qui débloque le compteur. Mais là dans l'épuisette. Oh non. Non, je crois qu'elle voulait pas. Les gars, petit update de la session. Là on kiffe pas trop le parcours no kill black bass. Parce que déjà c'est hyper étroit, donc pour pêcher à deux c'est un peu compliqué. Et bon, on préfère faire du brochet et Paul il a juste fait une petite perche. Donc là on va aller. On va aller bah là où on sait qu'il y a potentiellement du gros brochet. Et puis bah, une grosse perche. Enfin, là où j'ai y a un endroit où j'ai fait une belle perche. Donc bah, on va y aller. Et puis bah, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Pas capot. Ouais. Je l'ai. Correct, hein. Tu l'as fait à la souris. Bien joué. Ah
J'ai un petit pike, Paul. Un petit pike. Let's go. Oh, par contre, je l'ai mis avec les perches. Comment? Non, c'est un petit pike. Regarde Polo. Tu le laisses dedans? Ça commence à faire du monde. Ça commence à faire. Voilà, en gamet. Ouais. Oula. Oula. Ouais, là c'est chaud. Ah non, en vrai, il n'y a pas... Non, il est parti. Le pike. Il s'est barré. On l'a vu. C'est cool, il est bien piqué. Ça déjà, c'est bien. Hop. Allez hop, dans la piscine. Je vais m'amuser un peu avec les poches parce que là j'arrive pas trop à... j'arrive pas à faire de brochet. La pomme essaye de faire du cendre en vertical là-bas. Je sais pas si vous voyez la GoPro. Mais bon, moi j'y arrivais pas trop, donc je me suis dit que j'allais m'amuser un peu avec les poches et voir si après il y aurait pas 2-3 brochets qui traînent. Ah, je viens de décrocher un gros poisson les amis. Je filmais pas. Je pense que c'était un brochet. Je pêche toujours à la cuillère, mais vu le rebond que ça a fait à la surface et commence à tirer dans la cage, je pense que c'était un brochet. Non mais j'ai un peu le seum là, mais bon. Ouais. C'était gros. Enfin c'était gros. Je pêche à la cuillère sur la petite canne et il a fait un remous en surface, c'était vraiment... Soit c'était une énorme perche ou un brochet pas trop mal. Un petit brochet. Mais... Non, on voit pas souvent. Poisson. Ah, je sais pas si j'ai encore. Wow. Ouais, c'est gros. Bah, je crois, ouais. Il s'est tanké. Ouais.
Ah ouais, bah ça m'a mis un beau coup de tête. Ça m'a mis un coup de tête. Merde, il est tanké. Je peux rien faire là. Je peux rien faire. Ah oui. Déjà au début. Et après j'ai mouliné à balle. Petit rocher. Ah tiens, c'est pas gros mais j'ai des bêtes de sensations. Ouais, c'est bon. Ça fait plaisir. Franchement, la petite canne, elle est top. C'est un truc de fou. Comment? Ouais, je suis avec ma petite cuillère. Il est... ouais, un tout petit peu plus gros. Ouais, j'ai fait une paire. Ouais, j'ai plaisir. Ouais, vas-y. Mais j'en décroche, je te jure, j'en décroche un beau. Aïe aïe aïe. Bon, voilà les gars. Un tout petit brochet, hein, mais moi ça me fait kiffer. C'est le troisième brochet de ma vie. Là, j'en ai fait deux aujourd'hui, donc bah, je suis content. Je l'ai fait sur ma petite canne en plus, donc les sensations c'est top. Allez, on va faire la release. En tout cas, bah, il est joli, hein. Enfin, je le trouve. Allez. Ouh, poisson. Ça, c'est une perche. Je l'ai plus. Si, je l'ai. C'est une micro-perche. Oh la vache. Allez. Celle-là, elle est vraiment petite. Décroche-toi. Elle va pas se décrocher. Ah si, c'est bon. Let's go. Joué. C'est un brochet? Ah, un black? Oh, énorme. Vas-y. Merde. Petit pike. Bon les gars, petit update de la session. Là ça fait à peu près 15 minutes que j'ai fait le petit brochet. On a décidé de partir sur une bordure qui est un peu plus longue. Bah là vous la voyez, hein, c'est celle-là. Je pense que je vais pêcher la prochaine heure et puis voir ce que ça donne. Allez, à tout. Donc voilà, la bordure c'est celle-ci. Je pense qu'on va pêcher là à partir du trou. Je sais pas si vous voyez. Et là, tout ça. Voilà. Je sais pas, c'est pas gros, je crois que c'est une perche. Ouais, c'est une perche. Ouais, elle est pas grosse. Ouais, je l'ai. Non, là, j'ai pris des algues. J'ai pris des algues, mon polo. Bon, fin de session, les gars. Fin de session. La session, elle était plutôt correcte pour moi. Enfin, j'ai pas touché des gros poissons, mais
au moins ça a fait des touches. J'ai dû faire 6-7 perches, j'ai fait 3 petits brochets, donc voilà, c'est sympa. Et Polo, moi je fais une perche et un petit black bass. C'est pas énorme, mais c'est sympa. Voilà, bon, Polo qui fait un autre poisson, un poisson qu'on voit pas trop, donc c'est sympa. Bon bah les gars, je vous dis à bientôt, et puis bah j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce bleu et un commentaire, moi ça me fait toujours plaisir. Allez, salut les gars!